Bienvenue sur Sum41, la première chaîne Twitch garantie, 100% fun, 100% Sum. Aujourd'hui c'est dimanche, et comme chaque dimanche, vous n'avez rien d'autre à faire que de me regarder, n'avoir rien d'autre à faire que de jouer aux jeux vidéo. Et ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, vous et moi, et j'en suis le premier désolé. D'ailleurs j'ai même perdu le dernier stream que nous avons fait ensemble sur l'ombre du Var, souvenez-vous, on s'était amusé à massacrer des orques, qui sont un peu les nazis du monde fantastique. Donc cet enregistrement est perdu dans les larmes infinies. Donc si vous étiez là, à ce moment-là, vous êtes l'un des rares, une des rares personnes au monde à avoir vu ce chef-d'œuvre d'entertainment et de stream. Et vous pourrez dire à vos enfants, oui, moi, je l'ai vu. Cet enregistrement perdu, il existe. Et donc aujourd'hui... Attendez, je suis encore en train de me battre avec mes réglages, comme d'habitude. Hein, vous finissez par avoir l'habitude. Aujourd'hui, on va s'attaquer au jeu polémique du moment, qui est Star Wars Battlefront. Pour les non-anglicistes, il s'agit de Guerre étoilée, la bataille du front de mer. Nous avons pu découvrir le jeu il y a quand même un petit moment de cela, lors de sa phase de bêta, où nous avions pu découvrir ensemble toutes les joies et les... les joies et les joies de tuer des gens à travers toute la galaxie. C'était magnifique. Et il y avait un mode qu'on n'avait pas pu essayer, qui est le mode Han Solo. Et c'est celui-là que je vous propose aujourd'hui de découvrir à travers un stream incroyable, comme toujours. Donc nous allons battre la campagne. Et comme je n'ai pas d'amis, eh bien je vais jouer Han Solo tout de suite. C'est parti. C'est parti. Ils aiment bien les deux bouts. Oh, il faut que je choisisse la difficulté de la campagne. Alors, nous avons deux soldats. Un explorateur. Profitez des décors et des combats sans difficulté. Suivez l'histoire d'Iden Versio et livrez des combats à la difficulté modérée. J'aime bien comment ils essayent un peu de te culpabiliser de prendre les modes de jeu bas niveau. Force spéciale. Affrontez des ennemis impitoyables et luttez pour votre survie dans une authentique épopée Star Wars. Ah, parce que les autres niveaux de difficulté, c'est pas vraiment du Star Wars, tu vois. On est plus dans du Star Trek, limite du Stargate, peut-être du Battlestar Galactica, mais on n'est pas dans du Star Wars. Et là, ah bah non, et je pensais qu'il y avait un niveau 4 du coup. Bon, écoutez, je vous propose de jouer en modéré parce que je vais te parler, donc pour moi ce sera plus facile. Et de toute façon, on peut modifier les paramètres dans le menu à tout moment, mais qu'est-ce que c'est bien fait! Souvenez-vous de ce jeu trop dur où il fallait recommencer une partie. Lorsque c'était vraiment trop dur. Donc voilà, on va jouer en soldat. Donc dans cette campagne solo, nous allons découvrir une aventure originale et inédite de Han Solo. Donc ce personnage féminin, Han de son prénom, qui se retrouve seul pour faire des trucs dans la galaxie alors que tout le monde est en train de jouer en multi à Star Wars Battlefront. Bon voilà, on connaît, hein, c'est du Star Wars. Alors on n'a pas le droit au petit générique défilant. Donc, le jeu était absolument superbe, je tourne en ce moment même à 130 FPS, c'est de la folie sur mon écran 60, je vois. Totalement la différence. Donc voilà, petit vaisseau, l'indéfectible, qui ne peut être affecté. Imposture, infiltration, extraction, elle est des forces spéciales. Personne ne dit ça, personne ne dit les choses de cette façon. Ah, c'est donc voilà Anne. Anne, ma sœur Anne. Iden Versio. Donc c'est mon pseudo, c'est Iden Versio. Escouade Inferno. Sœur jumelle de Iden Recto. Commandant Versio. Donc là, il se fout de moi avec ma fiche LinkedIn. Je vois que vous avez plus de 500 connexions, c'est pas dégueulasse. Regardez-moi. Oh, comment je l'ai snobé! C'est pour ça que je suis là. Vous avez le code d'activation. Le petit boy scout. J'ai la possibilité de vous aider. Ah, il joue au bon flic. Donnez-moi le code. Hop, je lui fais un doigt là. Voilà le code, mec. Alors j'ai un tearing dégueulasse, je ne sais pas si vous le voyez en direct. On va essayer de régler ça dans les réglages. Vous aiderez, c'est aussi simple que ça. Vous m'aidez, je vous aide, voilà. Je finirai par avoir ce que je cherche. On n'est pas là pour enculer des mamans, hein. Mes meilleurs techniciens sont en train de pirater votre droïde. En ce moment.
Mon iPhone X. Acceptez mon offre. Comment je leur fais peur? Tout ce que je veux, c'est le code. L'heure de l'Empire a sonné. Vous n'avez pas à sombrer avec lui. Je pense que ça va être un jeu narratif. C'est vrai que l'heure de l'Empire a sonné. Et en fait, c'était ça le code. Et je voulais donner le code. 6, 2, 6. Alors donc, on lui a laissé tout son matos. Voilà. Parce que les rebelles, ils s'y connaissent pas très bien en technologie. Hein. Ils sont encore avec des bouts de bois. Un droïde tactique ID10. Tu es bien plus avancé que l'ID9. Ça va pas être facile de... C'est un iPhone X. Alors là, il essaye de déverrouiller avec la reconnaissance faciale, mais forcément, ça passe pas. Parce qu'il a une forme de prépuce. Le capitaine y travaille au centre de détention. En attendant, le seul moyen d'accéder aux données de ce droïde est d'en extraire le noyau mémoriel. Le fameux noyau mémoriel. On n'est plus avec des SSD, ce genre de conneries. Hein. Ça ne servira à rien si le droïde est désactivé. Tant qu'il n'aura pas entendu son code d'accès, cet ID10 ne bougera pas. Ah bah ça tombe bien, je viens de lui donner. Oh là là, comment il s'est fait sécher par un robot! Ah, ça m'aurait pas plu. Alors, attendez, je vais régler quelques trucs au niveau graphique. Pouc! Voilà, et ici... Option. Oh, regardez ces belles icônes très parlantes. Générique, non mais qui va cliquer là-dessus? Je vous le demande. Alors, vidéo... Je suis Deuteranopie. Pouh! Ah, je suis Protanopie. Je suis Trinatopie. Donc voilà, ils essayent de faire un peu genre... Vous voyez, yeah, c'est des gens cool. Grâce à tout l'argent de vos lootbox, ils vont pouvoir créer des jeux comme ça à destination des Dalton. Et c'est plutôt sympa. Évidemment, ça, les médias mainstream n'en parlent pas. Alors, DirectX 12... D'accord, très bien, donc c'est mieux, mais ça va se casser la gueule, super. Et voilà, évidemment, la synchro verticale n'était pas bonne, donc on va la mettre. Et là, tout de suite, ça va moins tirer. Bien, nous allons pouvoir commencer ce stream. Je suis un robot, je fais des trucs de robot. Alors, appuyer sur quoi? Mais c'est quoi cette touche? Clic droit, clic gauche, double clic... C'était F1 le truc? Non, c'était pas F1. C'était... Ah, c'est apostrophe! Avec Bernard Pivot, tout à fait. Donc je vais le Bernard Pivet. Regardez, vous êtes prêts? Et zap! Voilà, le premier personnage que l'on contrôle dans le solo de Guerre étoilée, c'est un putain de droïde. Oh, je te mets un choc. Je fais des trucs de droïde. Qu'est-ce que c'est? G? Pourquoi G? Bon, on sent encore le jeu qui a été fait pour des consoleurs. Grâce à mon fucking port USB. Alors, les contrôles sont superbes. Regardez. De manière très très simple, je me déplace de manière aérienne. Qui a fait les commandes? Waouh, trop bien. Je peux les espionner. Donc on voit que les rebelles, c'est un peu des tanches. Clip. Ah, c'est moi. Je peux me regarder moi-même. C'est tellement méta. Oui, bah je fais ce que je veux, moi. Atteindre. Ah bah il y en a plein des trucs là. Je vais télécharger du prone. Princesse Leila bikini. Ok, superbe. On se croirait dans Secret Story. Ici la voix. Tu dois utiliser la force, Luke.
Alors là, donc les mecs sont en train d'attendre pour faire une blague aux droïdes. Vous allez voir, ça va être très très drôle. Surprise! Oh les mecs, vous êtes trop cons, vous m'avez fait peur. Bien, bien, bien. Oh, regardez, il y a ces 3 PO d'argent. Moi, je te tase, mec, je te tase! Oh, regardez cette physique de folie. Alors là, le jeu me rappelle qu'il faut que je me bouge un peu. Moi, je veux taser lui, moi. Oh, c'est chiant, on peut rien faire. Boum! Boum! Donc, le jeu est d'une beauté assez bluffante, hein, faut le dire. Il est trop chou, lui! Allez. Posons-nous 5 minutes sur ce droïde et essayons de comprendre quel esprit malade a pu le concevoir. Qui s'est dit je vais faire une espèce de cube avec des jambes? Quel intérêt? Pourquoi? Pourquoi? Wow, c'est iRobot là. Alors il faut que je trouve le truc d'évacuation. Hop. Oh, peut-être ce machin qui brille. Je pense que si j'avais été en mode de difficulté élevée, j'aurais pas eu tous ces indices visuels. Wow. Alors là je passe en première personne pour encore plus d'immersion et de... comment dirais-je, d'émotion. Ça c'est David Cage qui m'a tout appris. Moi justement je m'émancipe de la cage. Bonjour. Je te tase. Ah bah non, j'ai pas le droit. Alors là c'est une grille typique à la Star Wars. Dans ses motifs. Ils ont failli me repérer. Mais moi je suis un véritable ninja. Oula. Alors ah, c'est le même système de ventilation que sur Naboo. Souvenez-vous de l'affrontement avec Darth Maul. Et hop là. Bonjour. Alors est-ce qu'il va falloir que j'électrocute des gens là? Il est bien pratique ce petit droïde. Il fait de la potion magique ce droïde, vous pensez? Allez, je vais aggro là. Furtivité. La jauge de détection montre à quel point les rebelles sont conscients. Parce qu'il y a des rebelles inconscients. Lorsqu'elle se met à clignoter, c'est l'alerte générale. Et voilà. Je peux pas électrocuter tout le monde, c'est un peu chiant ça. Bon, j'en ai électrocuté un. Je pense qu'ils vont pas sonner l'alerte. Oui. Hop. Je suis caché. Je suis un droïde espion. Je comprends pas pourquoi ils font chier comme ça. Parce que un droïde qui se balade dans une base spatiale, franchement ça va pas. Datas! Je suis le droïde Datas! Mais pas du tout! La 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 la! Ah, rebelle, vous avez été trahi par votre manque d'organisation. Oui! On se croirait dans Space Mountain. Ouah! Moi je prends des dégâts. Balek, comme on dit dans Assassin's Creed. Alors maintenant, que vais-je faire? Waouh, je suis dehors, mais pas vraiment. Alors j'utilise le scanner. Waouh, il y a plein de gens. Alors lui, je vais l'électrocuter. J'y vais direct, machine. Machine verso. Machine recto verso, là. Oui, parce qu'on est dans le futur, là. On peut imprimer recto verso dans cet univers dystopique qu'est Star Wars. Et voilà. Ah, bah, qu'est-ce qui se passe?
Allez hop. Ninja. Ah, c'est bien pratique ces ventilations avec port USB intégré. Ce qui est beau, c'est de voir que la standardisation des appareils électriques transcende les clivages politiques. Ainsi, que l'on soit de l'Empire ou des rebelles, on a quand même accès au port USB, et ça c'est beau. Parce qu'il y a des choses qui sont au-delà des clivages partisans. Alors maintenant, où allons-nous ? Je ne suis pas loin. C'est quand même tricouillu comme début d'aventure. De se balader avec un putain de droïde, avec du gameplay exotique. Le timing est parfait. Allons-y. C'est autre chose que l'autre quiche de R2-D2. Hein. Ah, c'est comme si c'était mon enfant kangourou. Bien reçu, commandant Versio. Timing est parfait. Je me dirige vers le centre de communication. Donc voilà, alors s'accroupir avec X, donc voilà, on sent encore le côté console. Hein. Alors ce qui est beau, c'est qu'ils l'ont enfermé avec tout son équipement. Donc bientôt j'aurai un... Alors je vais m'accroupir, il y a une belle... je t-bag la base. Moi aussi je suis équipé d'un... de l'USB. Ah non, c'est mon droïde qui fait des trucs. Voilà, qui peut tout hacker tout simplement. Avec le bâton d'Iden. Tu vas voir de quel bois Anne se chauffe. Hop là! Ah bah heureusement que j'ai un bâton, sinon j'aurais pas pu faire ça. Choc de droïde. Choc élimine les ennemis lorsque la jauge est pleine. Bien utilisé, il peut également neutraliser les véhicules. Je peux neutraliser tout le vaisseau. Comme c'est astucieux. Non, je vais t-back ce monsieur. Ah ah ! Mange mes ovaires, mec. Je devrais libérer ce prisonnier, comme ça on créerait une émeute. Oh, lui, j'ai pas besoin de le taser, je vais juste lui faire un petit coup de bâton. Ah, il y a plusieurs animations. Voilà, ce qui justifie une fois de plus le prix du jeu. Et des lootbox. Ouais, distrait comme moi. Discrétion et le maître mot. Voilà, donc nous sommes dans un monde où on peut pirater des portes. C'est quand même très triste de devoir en arriver là. Oh, c'est l'amiral Akbar. L'amiral Allah Akbar. Je pense que tout ceci est une trappe. Bonjour. Haha, ils sont cons ces rebelles. Là, l'amiral Akbar est en train de nous dire sur Skype. Il y a quelqu'un derrière vous là. Je me faufile là. Ninja. Avec un magnifique datas de notre personnage dont la combinaison ne lui rend pas justice. Alors là, on peut pas y aller. Waouh, j'ai essayé de courir. Ah bah magnifique. Non, j'ai pas le droit là. Ah d'accord, il faut laisser appuyer. Évidemment. Regardez, première personne. Troisième personne. Première. Sur le côté. Hop. Ah non, moi je joue. Je joue tel un TPS. Et à toi de jouer. Hop là.
Non, y a personne. Oh, je suis vu. Vite, je passe en mode première personne. Et là, rien ne m'arrête. Ah, c'est comme jouer avec des gens très mauvais dans le multi. Oh là, ces coups de poing en première personne sont absolument hallucinants. Je sais même pas où je dois aller. Moi, je fouille partout. Je suis un fouineur. En avant ! Ouvre cette loot box. Ouais, j'ai trouvé un objet trophée. Hop, je saute de joie. Ouais ! Ouah ! Les rebelles sont nuls. Ah, c'est tellement relou ces portes. Je pense que j'ai un achievement quand j'en aurai ouvert une petite centaine. Headshot! Headshot! Donc voilà, il vient d'avoir quelqu'un mourir, mais le travail avant tout. Agent Pasque, j'ai atteint le centre de communication. Supprimer le message déclenchera l'alarme. Soyez prêts pour l'extraction. Je me sens pas très. Je pense qu'ils devraient faire une armée de droïdes, les rebelles, en fait. Parce que là, très clairement, ils sont plus solides que leurs hommes avec leur casque coquille de noix qui n'empêche pas les headshots. Alors lui il était en panique totale. Eh hey, mais c'est mon ami de tout à l'heure. Alors on fait moi le malin mec. Hein? C'est qui le gentil flic et le bon flic maintenant? Bim. Allez j'interagis. Donc là il faut laisser appuyer. Sinon ça ne comprend pas ce que tu veux faire. Ah trop malin. Allez, hop, j'appuie sur des écrans comme si c'était des claviers. Wow. Et le fait de supprimer le message, tout de suite, ça déclenche l'alerte. Récupérer. Ah, oh, encore une nouvelle arme. Génial. Alors là, je suis prêt. Là. Je passe en mode première personne et ça va chier. Vous avez vu ces réflexes incroyables? C'est vrai que je suis un ancien joueur de Counter-Strike. Niveau professionnel, bien sûr. Ah, j'ai l'impression que j'ai tué Layla. Ou alors c'est Layla qui a donné des. Pas très ragdoll, hein. Désolé. C'est bien, ils sont inclusifs dans la rébellion. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a même des bleus. Et comme vous le voyez, toute cette abondance culturelle, eh ben ça ne marche pas en fait. Alors que la pureté raciale de l'Empire et ses clones, c'est quand même autre chose. Est-ce que ce jeu ne ferait pas le jeu du Front National avec ce héros, cette héroïne qui n'est pas sans rappeler une certaine Marine? Fille de l'Empire, luttant pour ses idées, contre les idéaux multiculturels. Alors je pense que j'aurais dû jouer en mode difficile là, parce que c'est n'importe quoi. Alors je vais essayer le super super mode droïde. Waouh, je les ai trop défoncés. Et moi je sais me servir d'un fusil hein. Ouais, je suis pas un putain de Stormtrooper, moi. Je vois même pas où est ma vie. Hop là. Allez, droïde, attaque. Comment je les défonce. Oh là, j'ai pas fait de headshot, quoi. Vous avez vu comment sa tête s'est dandinée pour esquiver le laser? Ok, alors il faut que j'aille où?
Oh, sinon je peux tous les tuer de l'intérieur, hein. Les mecs là, vu comment ils visent. Là, on se moque toujours des Stormtroopers. Les rebelles sont pas beaucoup meilleurs. Hein. Waouh, commander les portes, tirer sur les... Mais c'est trop malin. Allez, on va nous faire chier à les pirater, regardez. Hop là, salut les mecs. Ah, trop fort. Bref. Ça pourrait faire un bon beat, l'alarme. Ne ratez pas mon nouvel album, Guerre étoilée. Piou, HS réflexe, HS réflexe. Bon, lui, j'ai pas trop vu où était sa tête. Allez, hop, je les enferme en plus. Je fais la totale, je pète tout. C'est la dernière chose qu'il aura vue. Son ami s'est fait tuer. Allez, le mec s'est assis gentiment. Là, il y a quelqu'un, je le vois, je le vois. Wouah! Je pensais pas que mon tir serait aussi efficace. Mais bon. Je te vois, coquille de noix. Un combat de haute volée s'engage entre tireurs d'élite. Mon avance est inexorable. Il n'y a pas des trucs à looter ici? Non. Bon. Ah, les mecs viennent d'apparaître là. Allez hop, couchez. Couchez, coquille de noix. Ah, comment ils ont trop le seum là. Oh là là, on peut plus passer. Hop, hop. Attaque. Je pense que c'est le camarade de jeu le plus efficace de l'histoire du jeu vidéo. Ça, ça explose. Ouais, ça explose. Voilà, cette petite esquive. Vous êtes très vilain, monsieur. En plus, vous glitchez. Oh là là. Oh là là, c'était pas la bonne porte. Oh, c'est pas mon meilleur profil. Hein. On dirait un peu des cris d'oiseaux. Attaque! Oh, quelle super équipe on fait avec mon droïde. Couché! Ah, ça se trouve, il avait une bonne arme. Couché! Ah, c'est malin ça. Une aventure épique. Ah, c'est Princesse Leia. Oh, j'ai visé complètement à côté, mais ça me l'a pris. La la la. Fais des trucs, droïde. Dis donc, il y a une sacrée ouverture de jambes. Regardez la douleur dans son visage. Laissez-moi me recueillir. Et hop, bim. Ah non, c'est pas une commande d'ouverture, ça. Oh, j'ai été tué de mort. Terrible. Voilà, à force de faire le mariole, j'ai été tué. Alors, il y avait un truc qui explosait ici. Oh, ce double HS réflexe était quand même assez joli. Et hop là! Réflexe du tigre. Ennemis en approche!
cochet. Bâtard. Non, ici ça s'ouvre pas, là non plus. Je sais même pas ce que je fais dans cette pièce. En fait, parce que je devais aller ici. Vous remarquez que je fais beaucoup moins de cadeaux là. Ah, est-ce qu'on peut lui prendre son arme lui? Oh, même pas. Tout ça pour ça. Alors moi je casse tout. Moi quand je ferme une porte, je ferme. On dirait E.T. En avant. Ah bah c'est malin. Et c'est quand tu veux hein. C'est du piratage graduel en fait. Ça pirate mais juste un peu. Bon c'est quand tu veux hein. Je peux passer là non? Non pas encore. Oh là, il y en a là-bas. Droïde, neutralise-les. C'est parti. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Moi, je veux de l'immersion à la première personne. Ces réflexes incroyables. Apparemment, c'est là. Allez, salut les nazes. Je suis en position. Bien compris, commandant. Préparez-vous à l'extraction. 3, 2, 1. Et hop, direct, je vais dans mon vaisseau à moi. Où ils ont ouvert une fenêtre. C'est vraiment ça en plus. Et hop, on repart. Très importante pour que tout le monde risque sa vie comme ça. Et voilà, je file comme le vent. Commandant, sur le pont. May I ask you a question? Ask. Mais sans aucune perte, vous ne serez pas commandant aujourd'hui. Oh, je suis patient. Apparemment, il y a une technoparade derrière. Oh, c'est Mr. Bean. Merci, chef. L'atterrissage n'était pas trop brusque. J'ai connu pire, comme l'expédition sur Jabez. Ah ouais, l'expédition sur Jabez. Contactez l'amiral. Bien, commandant. Et le message? La position de la flotte est toujours secrète. Quel message? J'ai jamais entendu de message. Aujourd'hui, la rébellion meurt. Ouais, donc c'est l'Empire, c'est des gens, ils ont fait une étoile de la mort pour détruire des planètes. Et il y avait une faille, c'est-à-dire qu'on pouvait la détruire en tirant dans la ventilation. Donc du coup les mecs ils apprennent la leçon et du qu'est-ce qu'ils font? Voilà, ils en construisent une seconde qui est encore plus grosse. Ils se disent voilà, on pourra rien se passer de semblable si on fait exactement la même chose. Parce que là ils ont mis une grille sur l'aération. Les grilles que vous avez pu voir. Mais qu'est-ce qu'ils font? Passez-moi les squads Inferno, maintenant. Alors, il y a des gens qui se kamikazent dans notre nouvelle étoile noire. La fameuse escouade Inferno sont les trois meilleurs soldats de tout l'Empire. Commandant Versio, au rapport. Nous avons une équipe de récupération rebelle en visuel, mais il est trop tard pour prendre les saboteurs. Quel est le statut du générateur de... Ah ouais, c'est bien la peine d'avoir un casque s'il faut avoir des jumelles. C'est pire que prévu. On ne peut ni réparer, ni réactiver. Notre station de combat est vulnérable. Éliminez les rebelles et retournez sur le corps. Oh bah zut alors, ils ont encore trouvé un moyen de casser notre arme. Bien, à vos ordres. Ask, suivez-moi. Del, vous nous couvrez, on y va. Si seulement on pouvait être beaucoup moins con. Je suis couvert par un PC Del là. Regardez cette végétation. Et là, changement de décor hein, immédiatement. Compris, commandant. Au général Solo que ça pourrait prendre un moment. La 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 la. Il y a eu beaucoup de dégâts. Et élimination.
cible en approche droit devant vous. Mais il est con quoi. Bien sûr que je l'ai vu. Oh, j'ai déverrouillé une capacité. L'avant-garde, série d'élimination. On s'en fout. Donc c'est comme en multi, on a des capacités. Mais bon là, vu que tout le monde joue n'importe comment, parce que c'est des bots, bah on s'en fout. En fait, on s'en fout. On s'en fout. Oh, j'ai une carte. Allez, j'équipe. Oui, mais c'est quoi si j'ai pas équipé? C'est canon à impulsion qui fait des trucs. On ne sait pas trop. Ah, c'est un fusil basé sur le DLT-20A. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais je préfère la série 20C. On va essayer de mettre la cacarte. Voilà, on achètera des lootbox par la suite. Neutralisation. Attaque. On est fait, on y va. Ah bah super, merci le robot quoi. Ben non, on n'est pas repéré, qu'est-ce qu'il raconte? Oh là là, j'ai raté mon HS réflexe. Bon bah foutu pour foutu. Moi j'aggro. Hop hop, je me cache dans les arbres. Tout est cassé. Bonjour. C'est fait. Le bunker est sécurisé. Ah bah super, ouais, les trois rebelles ont été tués. D'autres rebelles. Attendez mon signal. Oui, commandant. À toi de jouer, droïde. Attaque. Oh, il y a du monde là. Bien, tout ce qui sort c'est leur tête. C'est un peu du tir au canard ce truc. Où sont les renforts? Je suis l'escadron Inferno. Feu à volonté, neutralisez toutes les cibles. Oui commandant. Compris. Je dois éliminer quoi, la souche là? Qui ose? Qui ose me tirer dessus? Allez hop. Je pensais qu'il en électrocuterait un peu plus. Mais ils sont où mes potes là? Oh là là, il faut tout faire, il faut tout faire. Wouah, détonateur thermique. L'autre se croit c'est Jabba le Hutt quoi. Voilà. Rejoindre l'agent Miko. Ça va jeter un froid. Regroupement. Allez, on se regroupe à la souche. C'est ma souche. Mais c'est bon mec, on a tout nettoyé. Quelle journée, on va boire un verre? Les commandements rebelles ont déjà dû s'en aller. On devrait y aller aussi. On est près de la plateforme 4. On dirait une bande d'Italiens les trois. Non, que des chasseurs TIE. Des plus chasseurs plus TIE. C'est pas combien il y a de rebelles ici. Non, on s'occupera d'eux comme on s'est occupé des autres. Les chasseurs cravates, chasseurs taille. Aujourd'hui, on éradique une bonne fois pour toutes. Ah bah non, ils nous ont refait le coup de l'étoile noire. Putain, ils sont chiants. Et les mecs arrivent encore à être surpris. Putain, c'est la deuxième fois ce mois-ci. Bon sang. On se reprend, agent. On se recueillera plus tard. Pour l'instant, il faut vraiment... Genre, on a des âmes, quoi. Avec vous, commandant. Nous devons atteindre la plateforme 4 et récupérer ces chasseurs. Et voilà, le show must go on, hein, comme on dit. Agent Miko, vous partez devant. Oui, commandant. Ouais. Agent As, contactez les viscérateurs. Je dois m'entretenir avec l'amiral. Les viscérateurs. Alors, les mecs veulent vraiment montrer qu'ils sont méchants, ils appellent leur vaisseau les viscérateurs. Amiral, l'escouade Inferno évacue Endor. Quelle est la situation? Bah, tout va bien. Le système. Oh là, on a plus de chef, on sait plus quoi faire. C'est la panique. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Le
haut commandement a ignoré une information cruciale. Encore. Ah, bah c'est encore la faute des commerciaux du 6ème. Les rebelles étaient moins nombreux et moins bien armés. C'est simple. L'empereur a sous-estimé la force de l'ennemi et nous en avons payé. Ah, et tout de suite, voilà, comme quand ça se passe mal, tout de suite faut tailler là. Faut trouver des coupables. Je vous l'accorde. Mais c'est pas la faute de l'équipe Inferno. Regardez le ciel, Ash. Ce n'est pas une trahison si c'est vrai. La la la. Est-ce qu'on peut tuer les oiseaux? Waouh! Bah voilà ce qu'on aurait dû employer au lieu de vaisseau. Attention, commandant. Putain d'oiseau. Merci, agent. Je vous vois là, les enfants. De toute façon, tout est perdu. Ouais, on peut aller leur serrer main maintenant. Ok, vous êtes bien battus. Bien joué. Écoutez, on va refaire une troisième étoile noire. Et cette fois-ci, vous ne le ferez pas à l'envers. J'ai un visuel sur la patrouille. On devrait les abattre là, sur place. Pas si vite, agent. Attendez que j'ouvre. Si c'était aussi simple, l'Empire aurait été détruit sur Yavin 4. Et même s'il l'était, cette lune roule toujours d'impériaux. On n'est pas encore sorti d'affaire. Hihihi. Alors les mecs sont en train de pique-niquer comme ça. Alors je vais me cacher ici, ça m'a l'air pas mal. Alors les mecs, il leur faut 3 morts pour réagir quand même. Allez, lève ta tête mec. Lève ta tête. Qui me tire dessus là? Aucun respect pour les conventions de la guerre. Je t'envoie mon droïde, moi. Le bâtard, il m'a envoyé un détonateur thermique. Comment c'est pas sympa. Et moi aussi, j'ai des grenades. Commandant, j'ai une embuscade rebelle en visuel. On a perdu une navette et nos hommes sont débordés. Oh là là, on a déjà perdu l'étoile noire et vous nous reperdez une navette dans la foulée. Vous êtes chiant. Comme d'habitude, il faut que les squads Inferno. Hey, mais pourquoi vous vous habillez en blanc dans la forêt aussi, bande de tocards là? Le marcheur, mais qu'est-ce que c'est que ces noms là? Oh là là. Arrêtez de faire de la merde! Oh, qui sont les rebelles là? Il y en a un, bah voilà, vous lui tirez dans la tête, c'est pourtant pas compliqué, non? Qui chasse d'impériaux? Oh là là, il faut tout faire. Regardez, hop, grenade! Oui! HS réflexe là. Ah, bien tenté mec. Mais voilà, guignol, on me la fait pas. Hein. Alors où qu'ils sont? Oh, lance-roquette, excellent. Alors j'ai voilà, la fameuse touche d'action hein, que l'on connaît tous sur les jeux PC. Appuyez sur F2. C'est le principe, sergent. En tout cas, on vous doit une fière chandelle, commandant. Vous êtes un peu des gros nazes. Si je puis me permettre. Commandant, des rapports pour état de transport ennemi s'opposant sur Endor. Il déploie des troupes partout sur cette lune. Mieux vaut ne pas s'attarder. Ah bah, tu veux la voir, ma lune, mec? Commandant, regardez. Regardez quoi? Regardez quoi? Une vieille cahute, là? Il y a des abeilles, on va faire du miel. Je pense que vous allez en perdre une troisième. Les officiers sont des lâches qui s'habillent comme des boy scouts et qui mettent des petites tourelles par terre. Ah, soyez prêts. Bim. Et voilà. À toi de jouer, droïde. Hop là. Comment je les ai séchés, les mecs. Ah,
Alors. Moi aussi je peux lancer des trucs, hein. Envoie de l'électricité. Phrase culte de Star Wars. Il est où l'autre là? On te voit, hein. C'est bon pour nous. Agent Miko, votre position. J'ai rejoint une escouade sur la plateforme. Je vous attends avec. Agent Miko, on se fait un petit cône. On arrive. Allez, c'est confisqué. Je confisque. Alors là, vous avez vu, je ne peux pas revenir en arrière. C'est très malin de la part des développeurs du jeu. Ah, c'est sale, regardez, ils vivent comme des hippies. Et ils ont cassé notre étoile. Agent Miko, au rapport. Ouais, surtout, vous nous aidez quand vous voulez, les mecs, hein. On va devoir se battre pour la récupérer. Tocard. Et vous êtes déjà prêts, on dirait. Soldats, nous allons reprendre. Allez. La plateforme. Et ensuite, nous allons construire une troisième étoile noire. Capacité déverrouillée. Voilà, disruption, grenade aveuglante, bouclier, tant de choses. Tant d'informations. Donc ça, ça fait quoi? Protège Eden des tirs de blaster, des explosifs avec un bouclier. C'est pas mal, un petit bouclier. Blablabla, bla, bla, désactive les tours. Alors, on s'en fout. Alors, on va prendre ça. Alors je n'ai utilisé que les grenades parce que je suis déjà très fort. Oh, ce viseur de folie. Ah, ça s'agite. Ça s'agite chez les. Dans l'Empire. Je pense que je vais devoir encore une fois faire tout le taf. Alors, messieurs les clones. Les chasseurs TIE sont sur le pont supérieur, commandant. Nous n'y arriverons que si on élimine tous les rebelles au sol. Alors. Bim. À l'attaque. Comment ça, les rebelles ont volé un marcheur? Commandant, les rebelles ont détourné un TSCT. Bah oui, non, mais vous laissez les clés dessus aussi. Alors, vous êtes tellement des relous. Peut-être que. Petit coup. C'est le tir au pigeon. Hop là! Ça sert à grand chose ce que je suis en train de faire. J'utilise F. Oh là là, c'est trop bien F. Je peux l'électrocuter. Ah, c'est pas mal ça. Je vais leur voler leur propre tourelle. Je te vois. Alors ça c'est quoi? C'est G encore. Voilà, hop. Mes postes de surveillance à terre, je répète, TSCT à terre. Même avec une puissance supérieure, les rebelles ne peuvent pas gagner. Même s'ils sont meilleurs, les rebelles ne peuvent. Comment on sort de ce truc là? Alors qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Je confisque. Allez hop, c'est confisqué. Là-dedans, hein. Comment qu'on rentre là-dedans? Et sur quoi vous tirez les enfants encore là? Ah, voilà, c'est comme ça qu'on les tue. Oh là là, c'est désolant. Je travaille avec des incapables. Direction l'ascenseur. On se retrouve en haut pour récupérer cet écueil. Wouah, elle est disparue. Elle ne fait plus qu'un avec la force. Atteindre le niveau supérieur, mais je suis déjà de niveau supérieur. Hop là. Ah non, là je suis obligé de le faire avec mes mains. Parce que le droïde ne peut pas. Ah là. Commandant, contact sur la plateforme. Les ennemis sabotent nos vaisseaux et nous empêchent de fuir. Attends, mais c'est pas sympa du sabotage. Non mais. Suppression extraction. J'ai vraiment hâte.
Bonjour. Il y en a un là. Arrière. Hop. Oh là, je sais pas viser. Neutralisation, tout de suite. Anne, prenez le premier TIE. Préparez le corpus pour la retraite. Arrêtez de dire TIE, s'il vous plaît. Officier rebelle, droit devant. Boum. Vous cessez vos enfantillages. Je vous vois vous balader là. Agent Miko, voilà votre chasseur TIE. Je vous retourne à la fin. Non, partez. C'est là la première, je partirai la dernière. Arrêtez de dire TIE s'il vous plaît, c'est très gênant. Oh, voilà un truc wing. Alors, comment ils essayent d'intégrer leur vaisseau nul de l'épisode 7 là. Je vous suis prêt. Oh là là, comment il m'a esquivé. Droïde neutralisé. Oh, j'ai été vaincu. J'ai été vaincu de mort. C'est l'autre qui faisait sa tête de serpent là, qui m'a complètement abasourdi. Mais je ne vais pas me laisser faire une nouvelle fois. Les ennemis sabotent nos vaisseaux et nous empêchent de fuir. Descendez-les et sécurisez les chasseurs TIE pour notre fuite. Vous l'avez déjà dit ça. J'ai vraiment hâte. Suppression, extraction, ah bah ça me parle moi. Officier, en avant. Prenez le premier TIE, préparez le corps pour la retraite. Bien. Non, 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 non. Ah, j'ai vu mon truc de fusil à pompe là qui était bien ça. Lance roquette. À toi de jouer, droïde. Je décolle, commandant. Je vous suis prêt. Allez hop. Tous en route. Oui. Blablabla. Cours avec nous, commandant. Je pars dans ma... On se retrouve là-haut. Dans ma voiture sans permis. En route. Je sais pas où sont les moteurs de ce truc pour qu'il puisse décoller en atmosphère, mais bon, c'est pas grave, nous ne sommes pas à ça près, hein, c'est le... Oh, ils ont tout cassé. Ils ont tout cassé. Alors qu'on s'était fait chier sur les finitions. Pour que ce genre de choses ne se reproduise plus. Oui, bon, on n'est pas très bon visiblement. J'ai du mal à croire que c'est tout ce qui reste. Bon, bah, on fait un constat du coup. Ouais, maintenant il y a des phases de vaisseau, trop bien. Le vrai visage de la rébellion, et c'est pour ça que nous battons depuis si longtemps. On a essayé de leur faire peur, on les a juste mis en colère. On m'a dit un jour que les rébellions se fondaient sur la haine. Depuis, j'en suis convaincu. Ah, c'est des... Tous ces social justice warriors là, ne cherchent que la haine et la destruction. Comme lorsque la première étoile de la mort a été détruite. Puis bonjour l'écologie, on hein. On meurt. Plein gaz, oui. Non, il veut pas plein gaz. On a un problème. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Le Corvus a été endommagé par l'explosion de l'étoile de la mort. Les machines sont touchées, mais l'équipage les répare. Ouais, super. Oh, c'est tellement chaud, ça brille. Regardez, on avait utilisé du bon matos. Il y avait les finitions étaient nickel. Ah, c'est triste. Voilà, ça c'est le fameux feu de l'espace.
Dans l'espace, tout le monde vous entend brûler. Commandant, je capte des signaux de vaisseaux à l'extérieur du champ de débris. Il y a des impériaux ? Quoi ? Très peu. La plupart se sont repliés ou ont été détruits. Et le destroyer stellaire de l'amiral ? Bah là, il y a un vaisseau, mais c'est pas le nôtre. Près du Corvus. Il semble être en parfait état. Oui, oui. Ask n'est pas seul sur le Corvus. On va peut-être s'en sortir, finalement. Vous voyez, là, on découvre l'envers du décor. Parce que quand l'étoile noire explose, tu vois, quand tu regardes le film, tu trouves ça trop cool. Mais en fait, ça fait souffrir des gens. Il y en a qui perdent leur emploi. C'est très triste, finalement. C'est un drame social. Alors, est-ce que les rebelles sont si cool que ça, finalement? Bon, on aurait tendance à dire non. C'est comme Yé. Yé, c'est pas les méchants. Oh, ça tire, là. Agent Ask, nous approchons du Corvus. Statut des moteurs. Ah, mes yeux. Système d'injection ionique à 60%. Ah, je non. Le système ionique. Le je vais vous aider à démarrer. Oups. Les bombardiers. Défendez le Corvus. Il n'a pas de bouclier. Ah bah ça me rappelle ces parties en ligne qu'on a fait durant la bêta. Mais niquez-vous les mecs. Ah il est bien cette Comme d'habitude il faut tirer tout doucement sinon ça marche. Oui, hyper espace. Ça fait quoi ça à droite? On ne sait pas. Allez, viens mon petit. Bim! Agent Ask, au rapport. On a les coordonnées du ralliement, mais l'équipage a besoin de temps pour réparer les moteurs. Oui, mais non, on n'a pas trop de temps justement. Ce mode solo est un putain de tuto. Oh là! Qui sont? Qui sont? Nanana. Oui bah je fais qu'est-ce que je peux hein. Oh bah super, c'est bien la peine de l'activer là. Voilà. Notre raider ne tiendra pas face à ces Y-Wings, commandant. Moteur opérationnel, commandant. Juste à temps. Agent Nico, rejoignez le corps. Dites à votre vaisseau de se replier et rejoignez-moi sur l'initiateur. Moi, me replier ? Ordre confidentiel, commandant. Je vous brieferai personnellement. Bien, amiral. Escouade Inferno, l'amiral et moi, nous vous rejoindrons plus tard. Oh, les mecs, ils font des messes basses. Parce qu'on est beaucoup trop cool pour vous. Mais non, on va attaquer le vaisseau là. J'y vais direct, moi. Quelle aventure ! Progression des étapes clés. Et ben voilà notre nouveau centre opérationnel. Il va falloir remanier quelque peu l'organigramme hiérarchique, mais je pense qu'on peut s'en tirer. Vous vouliez me voir, amiral ? Approchez. L'empereur est mort. What the ? Qu'allons-nous faire maintenant ? Nous allons riposter. Mais pourtant, il était dans l'étoile noire et je... Ah oui, c'est vrai. On va attaquer à la fondation même des convictions pathétiques des rebelles en leur propre force. C'est bien les mecs. On dirait qu'il a des plaquettes de chewing-gum sur le torse. Qu'est-ce qui leur donne une telle force?
L'espoir. Le seum. Correct. La présence de ce messager est un grand honneur. C'est Dark, Dark Redus. Le mec ne marche pas, il flotte. Amiral Versio, le moment est venu de commencer. Pardon. L'opération Cendre. Mais vous venez de me dire qu'il était mort. Rébellion, sédition. Nous ne saurions laisser. On est devenu un peu sénile, il balance des mots au hasard. Rébellion, addition. Vous êtes l'une des nombreuses flammes qui permettront de réduire en cendres ces idées dissidentes. Suivez mon messager. C'est lui qui vous conduira. Ah, c'est un peu la voix de Sauron. L'opération Cendre est le tout dernier souhait de notre cher empereur. L'opération Somme. C'est aussi le premier pas vers un futur stable. Inferno est essentiel à sa réussite. Oui, avec des flammes. Comment il essaye de magro là le courrier. Pour l'instant, voici vos prochaines missions. Elles sont singulières. Mais nous vivons une époque singulière. C'est encore des photos de votre bite, monsieur l'amiral? Non, pas du tout. Allez, commandant. Peut-être. Faites notre fierté. C'est bien, elle reste corporate. Même dans les coups durs. C'est ça, elle va être employée du mois, très certainement. Dans le cadre de l'opération Cendre, nous sommes envoyés au chantier naval de Fandor. Agent Ask, vous et moi nous récupérons. Ah, on va en terre du milieu. Expérimentaux pour le destroyer stellaire à Fandor. Et assurons la sécurité du Moffret. Agent Miko, le corvus est à vous. Agent Miko, pour organiser une fête à la limite. Ça, c'est pas du petit chantier, hein. Et pas con, les mecs, ils fabriquent les vaisseaux déjà dans l'espace. Comme ça, y a pas besoin de les faire décoller. Nous contrôlons les satellites. Bon travail, agent. Le Moffret a informé l'amiral que l'opération Cendre. Le Moff. C'est un rappeur. Non. Ces satanés rebelles. Encore là pour nous attaquer. Avec leur vaisseau de forme tubulaire. Cela n'est pas sans nous rappeler la map bêta des vaisseaux. Quel est le plan, commandant ? Allez, c'est parti. Quel est le plan ? Ben, on va niquer des mamans, voilà le plan. Vite, interceptez la corvette ennemie. Sur votre position. Moi je pète la corvette moi. Ne la lâchez pas. Bim. Hop là. Forceur de blocus détruit. Commandant Versio, ici le Moffret. Wouh. Les canons ioniques rebelles ont désactivé le Dantes. Commandant. Bon bah débrouillez-vous un peu là, je vais pas tout faire non plus. Des transports. Oui. Volez mon vaisseau. Abattez-les avant qu'ils ne m'atteignent. Vous m'entendez? Et protégez-moi, chasseur, j'ai peur. En formation sur les transports rebelles. Empêchez-les d'aborder le Dauntless. Je les abattrai. Détruire les transporteurs rebelles. Bah allons-y. Bah, je vais quand même détruire ça avant. Oui, bah j'y travaille. Parce qu'apparemment je dois tout faire dans cet endroit là. Vaisseau rebelle détruit. Heureusement, ils ont pas trop l'air de savoir où ils vont. Infini, on devrait attaquer le croiseur rebelle. Ouais, ouais. Et comment je fais ça, agent Ask, avec un vaisseau désactivé? On va trouver quelque chose, chef.
Et voilà. C'était le dernier. Le Dauntless doit rétablir son alimentation. Nous devons détruire ces canons ioniques rebelles. Oui. Ah, les fameux canons ioniques. À base d'eau minérale. Qui balance des ions comme ça. Oh là là, j'ai des ions sur moi. Certainement pas. Agent As, chasseur ennemi en approche. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut détruire maintenant? Commandant, je suis pris en chasse. Chasseur ennemi à 017. Oui, bah vous vous débrouillez un peu là. Je vais la tirer dans la station. Commandant Versio, il est toujours là. Commandant Versio, il y a un vaisseau qui m'embête. Oh, des vrais enfants, de vrais enfants. Alors où qui sont les gros rouges là? Bravo, commandant. C'est aussi facile que... Vas-y, rentrez-moi dedans, je vous dirai rien. Il est où l'autre à détruire? Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Bah écoutez, vous garderez vos problèmes vénériens pour vous, là vous êtes gentil. Je sais pas comment on accélère. Je subis des tirs. La voie est libre, agent As. Bah cessez de... Merci pour le soutien, commandant. De faire croire aux autres que vous êtes oppressé. La voie est libre, commandant. Allez au hangar. J'aborde le vaisseau ennemi. Ah genre je vais rentrer dedans. Oui commandant. Allez hop. Oui. Et ben voilà, c'est comme ça qu'on fait. Pilote très très bien d'ailleurs en intérieur. Et hop là, bim, je sors. Et là, direct, grenade. Qu'est-ce que j'ai comme... Ah bah je vais utiliser le fusil des familles. Pas m'enfermer. Hein. On avait pris pour Vador les mecs là. Genre j'ai été tué par une tourelle. C'est tout à fait honteux monsieur. C'est tout à fait honteux. Moi j'y retourne. Je me suis tué en faisant exploser la tourelle. C'est quand même assez fabuleux. Alors pourquoi est-ce que j'ai disruption en carte? Moi je veux pas ça, je veux la grenade d'impact. Et puis le bouclier. Oh, détonateur thermique, encore mieux. Encore mieux, encore mieux. Parce qu'il a un détonateur thermique. Allez, ah! Oui! À chaque fois, je meurs en tuant cette tourelle. Que se passe-t-il? Je ne comprends pas. Ah bah c'est bon, voilà, j'ai survécu. Agent A, j'ai dégagé un passage. On se retrouve dans la baie d'armement. Bien su, je m'approche de votre position. Et voilà, mais les vaisseaux, on les casse de l'intérieur, nous. Oui, il y a une caisse. Droïde, tire-moi ça. Qu'est-ce que je fais?
Ah, j'ai encore trouvé une carte. Mais je m'en fous, ce n'est pas le moment. Oh, ça a l'air bien ça. Une espèce de Tommy Gun du futur. Hein. Et voilà, il suffit de surcharger les cryocellules. Nous aussi on peut faire exploser des trucs rebelles hein. Voilà, vous allez vous calmer vous. Vous êtes cru chez mémé hein. Hop, salut. On tire dessus par derrière. C'est très moche d'aller là. Oh, je pensais qu'il y en avait plein derrière moi. Et en fait, non. Cellule, quoi. Bim, voilà. Vous allez bien? Tout va bien. La deuxième cellule est tout à vous, commandant. Là, on se repose. Je vais mettre ma petite tourelle, là, du coup. Déploiement impossible. Je vais la mettre ici. Hop, parfait. À toi de jouer, droïde. À toi de jouer, Yu-Gi-Oh! J'ai pas mis la tourelle au bon endroit, on dirait. Oh là là, c'est double tête. Oh là là, j'avais même pas vu. Le mec absolument pas sur le coup. Ok, on recommence. Nous devons détruire cette cryocellule. Elle est où ma petite tourelle là? Je le rosse. Je fais du spawn kill. Apparemment, ils ont pas l'air très fans. Oh, genre j'ai encore été tué. C'est terrible. C'est terrible. Que se passe-t-il? J'ai perdu tout mon skill. Je pense que c'est cette tourelle qui m'assassine à chaque fois en fait. Oh, je vois rien du tout, c'est magnifique.
envoie d'électricité. Et hop, j'ai tout pété. Et de deux, j'ai une idée pour le dernier. Ah bah oui, bah si on lui tirait dessus au dernier. Poser un explosif, où ça? Où donc? Je ne vois pas d'objectif. La cryocellule est prête, commandant. Ah voilà. Parfait, je pose un explosif. Qu'est-ce qui va se passer quand la bombe explose? Ah bah je me demande bien. On va vite le savoir, agent. À vous l'honneur. Ah bah là on tire même pas des ions, on tire le canon avec. Exactement comme prévu. Ah c'est ballot. Ça fait partie du plan ça? Oui oui tout à fait. Accrochez-vous à quelque chose. Non pas à moi espèce d'idiot. Allez, droïde. Ah le droïde il a même pas de nom. C'est droïde. Je sais pas, tu l'appelles au moins Panoramix ton droïde. Oh, quelle aventure! Et hop, je me relève, badass, coiffé. Mon vaisseau est toujours là. Bah attendez, je vais arranger ça. Détruisez les champs de force qui me retiennent. Chef, mes ordres sont de protéger les satellites, pas d'attaquer une station impériale. Ne remettez pas en cause mon autorité, commandant Versio. Attaquez la station et protégez les satellites. Putain, c'est Cartman le mec. Compris, chef. Agent Hap, préparez-vous pour une attaque sur la tour de contrôle de la station de Fondor. Nous pouvons aussi désengager les pins si nous détruisons le bras d'amarrage. Ce sont nos sources d'énergie. J'aime bien tirer sur ces vaisseaux, c'est relaxant. Bref, qu'est-ce que je dois faire là? Détruire, détruire! C'est ça que je dois détruire? Ah, j'ai bien l'impression. Je comprends rien du tout. Ma queue a pris la destruction. Oui! D'accord. Oui. C'est en quelque sorte une manière de détruire le truc. J'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Détruisez les champs de force qui me retiennent. Chef, mes ordres sont de protéger les satellites, pas d'attaquer une station impériale. Ne remettez pas en cause mon autorité. Ah, faut que je détruise ça, c'est ça? Respecte attaquez mon autorité. Protégez les satellites. Voilà vos nouveaux ordres. Compris, chef. Agent Hap, préparez-vous pour une attaque sur la tour de contrôle de la station de Fondor. Nous pouvons aussi désengager les pins si nous détruisons le bras d'amarrage. Ce sont nos sources d'énergie. Genre détruire ça? Ah bah oui, ça suffit. Bim. C'est n'importe quoi. Apparemment celui-là, il n'y a pas besoin. Ok, tout va bien. C'est ça qu'il faut détruire? Ah oui. Voilà. Les rebelles ne doivent rien savoir de nos intentions lors de l'opération Cendre. Ah, la fameuse opération Cendre. C'est-à-dire maintenant plus que jamais, la puissance est le seul moyen d'obtenir la paix. L'amiral Versio purgera la galaxie, commandant. Il lui rappellera qui commande vraiment. Commandant, chasseur en approche. Oui bah j'ai vu qu'il y avait des chasseurs. Ah il faut tout faire. Si on arrivait à neutraliser ce croiseur, on en apprendrait beaucoup sur l'ennemi. Les rebelles n'ont rien à nous apprendre. Adopter leur faiblesse, c'est aller vers l'échec. D'accord. Exactement, agent Asp. L'ordre ne règnera que lorsque nous soumettrons la galaxie. Je pense que notre premier souci, c'est de construire des étoiles noires. Chasseur abattu. Les satellites seront bientôt en sécurité. Où allons-nous déployer ces satellites? Cessez de
perdre du temps en questions inutiles, commandant. Oh, la meuf, elle pose des questions. Tirer sur les pinces. Genre les gens qui veulent pas donner d'argent ou... Voilà. Alors. Ah non, c'est pas ces pinces là. C'est les petites. Oui. Bah évitez de me rentrer dedans. Détruisez ces attaches. Oui bah je fais qu'est-ce que je peux hein. Oui. C'est bon là. Et voilà, encore une mission rondement menée. Je pense qu'on aurait dû même être face à Luke Skywalker et rien de tout cela ne serait arrivé. On va leur tirer dessus là, j'espère. Ah, parce que tant qu'il est garé, il peut pas tirer. C'est sécurité enfant. Il joue sur la fibre paternelle. Je déteste mon père. L'amiral nous a demandé de... Eh bien, leur ami, une bonne fessée. Secrète sur la planète Pilio, un endroit appelé l'Observatoire. Apparemment, l'empereur y aurait entreposé des artefacts qui pourraient être utilisés contre nous, en raison du danger qu'il représente. D'accord, et si on détruisait ces trucs au lieu de les garder ? Une escouade, un seul agent. Tel, en temps normal, j'accomplirais cette mission moi-même, mais... Mais j'ai un peu la flemme, donc allez-y. Pour pénétrer dans le bâtiment. Allez-y, localisez l'observatoire et détruisez tout ce que vous y trouverez. Mais pourquoi les images que vous montrez n'ont aucun rapport avec ce que vous dites ? Bon, j'ai pas eu le temps de faire un PPT, donc... Ça, c'est mes vacances sur Pilio. On a décidé de passer un petit week-end en Crète. Oh mon dieu, c'est R2-D2. Et Luke court le ciel. Si l'Empire est ici, ce que j'ai senti est vrai. Cet endroit doit cacher quelque chose de spécial. Oh, cette modélisation, cette voix, ces cheveux. Je ne sais pas par où commencer. Oh mon sang, mais je suis Luke. Je suis Luke. Ah, j'ai changé ma cutie. Waouh, waouh. Alors le mec a un sabre laser, donne des coups de pied. Main magique. Main magique. Waouh. Explosion magique. Lancer de sabre. Ah, même pas. L'Empire va nous rechercher. Salut les mecs. Ah, ça les tue tout de suite quoi. Oui. Bonjour. Ah ah, qu'est-ce qu'on s'amuse. Et forcément, on peut pas leur tirer dessus. Où qu'ils sont. Alors le mec éteint son sabre laser quand il ne l'utilise pas trop longtemps. Et il économise de la batterie. Je l'ai raté. Ah non, c'est bon. Bon, je sais même pas ce que je dois faire. Ah, je dois aller là-bas. Oui. Je fais des trucs de Jedi. Oh, vous allez vous calmer, vous, hein. Et voilà les renforts qui arrivent. Je m'en occupe des renforts. Fucking Luke court le ciel. J'espère que vous avez fait bon voyage. Ce n'est pas ce que je voulais. Tout le monde. Il y a quelque chose là-dessous, c'est... Il y a quelque chose là-dessous. Non, mais qui a fait cette voix ? C'est ce qui m'a appelé. Peut-être était-ce quelque chose d'autre. Bah, faut consulter, monsieur. Hein.
dirait bien que je ne suis pas le seul à vouloir me débarrasser de l'Empire. Ils sortent des murs, bon sang, ils sortent des murs. Ah, j'arrive pas à monter, c'est comme ça qu'ils vont me tuer. Ah voilà, c'est par ici. Par contre, je peux pas renvoyer les tirs, c'est un peu nul. Waouh, waouh, waouh. Allez hop, moi je détruis tout. Et je vais tuer l'Italien. Je suis coincé dans la morve. Qui êtes-vous ? Quelqu'un m'entend ? Non, pas vous. Tu avais l'air d'avoir besoin d'aide. Oui, c'est vrai. Vous pensez pouvoir me sortir de là ? Oui, bien sûr. Ne bouge pas. Je sais qui vous êtes. Pourquoi vous m'aidez? Parce que tu me l'as demandé. Ah, pourriez vous rendre du coup? Bien sûr. Ah, attention, des tics, des puces de lit. Ça, oui. Non, attends. Ah, c'est tout l'Empire, ça. Et là, du coup, va naître une amitié un peu paradoxale entre ces deux hommes que tout semble opposé. Oh. Deux fois que je te sauve les miches, mec, hein. Si ça avait été Jar Jar Binks, on serait déjà les meilleurs potes du monde. Ah, j'ai cassé ma jambe. Oh, ce regard lubrique. Stanley lubrique. J'ai entendu des centaines d'histoires sur les Jedi. Quand j'étais petit sur Coruscant, ils me terrifiaient. Mais vous... On fait de la propagande anti-Jedi, bravo. Ah, vraiment. Social Jedi Warrior. Faut qu'on travaille ensemble si on veut sortir d'ici. Et là, bim, il le tue. Fin. Ou alors c'est moi qui vais te tuer en premier. Je cherche quelque chose. Explorer la cave. Est-ce qu'il y a du vin ici? Sacré coup de chance. La chance n'explique pas tout. Ah oui, la force. C'est ça qui vous a permis de tuer mes hommes? Ou c'est grâce à ce sabre laser? C'est la force. C'est ce que je pensais. Alors pourquoi ne pas m'avoir tué? Ils ne m'ont pas laissé le choix. Toi aussi. Les insectes! Oh là là, des insectes. Ouais, j'ai pas vraiment le choix. Putain, il y a des nouveaux ennemis charismatiques dans ce jeu. Hein. On dirait du béton. Il durcirait presque au toucher. Ça se brise aussi au toucher. C'est là. On se rapproche de l'observatoire de l'Empire. Le quoi? Ne vous en faites pas, je suis là pour le défi. Oh, cette eau, magnifique! On se croirait. Ça me rappelle mon séjour à Cancun. Si je ne désarme pas le système de défense, cette caverne va partir en fumée et nous avec. Ah, bah ce serait bête, hein. C'est couvert d'ambre. Je vais dégager le terminal. C'est couvert de foutre. Ça ira? C'est mieux. Oh, excusez-moi, j'ai glissé. Pardon. Désolé. Le système de défense est activé. Le compte à rebours est officiellement lancé. Super, alors j'ai des éclats sur ma caméra. Comme si j'avais une vraie caméra dans le monde du jeu. Je crois qu'on réveille les insectes. Je vais les retenir, continue. Ils auraient pu leur trouver des noms là, parce que là on se chie dessus. Ah mon dieu, des insectes. Ça me rappelle, j'ai eu des fourmis une fois. Terrible de s'en débarrasser. Bim. Comment c'est nul! Je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas contents. Là, 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 donc là j'appuie juste sur clic gauche.
se croirait dans l'ombre de la guerre. Est-ce que ça va encore être long, votre connerie? À l'aide de l'eau. Oh, comment c'est nul! Je ne sais que dire. Je ne sais que dire tant je suis effaré. Oh là là, on s'est fait attaquer par des insectes. C'est terrible. Voilà. Terrible. Je suis sûr que je l'ai aidé en fait. Ah bah allez, on se casse. Ah non, il y a un deuxième terminal. Oh, quel relou. Par ici. Merci, je m'en occupe. J'ai redoublé ma terminale. 3 minutes avant que le système n'explose. D'accord, bah tâchez de finir le truc avant ces 4 minutes du coup. Heureusement que je fais pas ça avec un fusil, hein. Ça aurait été encore plus chiant. Allez, venez mes petits, venez, venez, venez. Bim! Hop! Oh, c'est saut! Il n'y en a pas. Il nous reste 3 minutes avant que le système n'explose. Nanana. Oh, la difficulté extrême de ce jeu. Me laisse pantois. C'est bon, on a fini là, mec? Oh, c'est tellement chiant. Mais qui a eu l'idée de faire ça, quoi? Genre, il n'y avait plus de temps, de budget, d'argent, que des stagiaires de disponibles. Je ne sais pas. C'est là-dessus qu'on devrait critiquer les IA. Sur cette putain de séquence des insectes. Les bestioles n'ont pas l'air d'aimer ça. Il y a rien sur cette porte. Comment je suis censé l'ouvrir? Vous avez pas votre clé USB là? Avec la clé. Avec le seum. Vous utilisez le seum d'une manière très puissante. Pourquoi l'empereur aurait-il une pièce qui s'ouvre uniquement à l'aide de la force? À ton avis? Vous insinuez que l'homme qui a détruit l'ordre Jedi en était un aussi? Non. Je dis que le petit garçon que vous étiez était effrayé par les mauvaises choses. Vous auriez plutôt dû avoir peur des insectes que des Jedi. Ah, vous avez raison. Y a rien de dangereux là-dedans. L'empereur ne protège... C'est les souvenirs de l'empereur. Genre quand il était à la fac. Les cadeaux de son premier mariage. Ça ne vaut rien tout ça. C'est une bonne idée d'emmener un Jedi là-dedans. Peut-être pas tout. Oh, un service en porcelaine. Hop, direct il trouve. C'est quoi ça? Rien. J'aimerais garder cette boussole, si tu veux bien. Ma mission est de détruire cet endroit, pourquoi je vous laisserai faire ça? Parce que je te le demande. Sinon je te tue. Merci. Cette voix de pédophile qu'il a lu. Tu ne crois pas de détruire cet endroit. Et tu ne crois pas que l'Empire a déjà fait assez de mal comme ça? Oh, en plus, il avait toutes ses sex dolls. Je suis content qu'on nous ait réunis, Del. Alors, c'est quoi le plan? Et d'ailleurs, j'ai besoin d'un PC, Del. Est-ce que tu peux me dépanner? Oh non, non, non. Je ne crois pas que tu puisses. Pas de ça entre nous. Un conflit intérieur. Bien sûr que j'ai un conflit intérieur.
j'ai comme un conflit intérieur, docteur. Capable, mais que nous reste-t-il? Un choix. Le seum. La rébellion. Rien non. Que le seum. Le choix de devenir meilleur. Waouh, c'est tellement. Que la force soit avec tellement toi. Tellement beau. C'est un message à même nous, à nos joueurs. Nous avons le choix de devenir meilleur. Vous devinerez jamais qui j'ai croisé. L'amiral a ordonné l'extraction d'un allié impérial sur ma planète natale, Vardos. La cible est la tutelle. Brigitte Vardos. Une fonctionnaire qui a autrefois formé l'agent Ask et moi-même. Oh, genre, sauf des fonctionnaires, un peu comme des communistes de l'Empire. Rendez-vous sur Vardos. Après cette folle séquence de jeu, rendez-vous sur Vardos. Vous avez soif? Je vous sers quelque chose? Un Vardos? Non, rien? Oh. C'est le Dauntless. Le vaisseau qu'on a secouru sur Fondor, qu'est-ce qu'il fait là? On dirait qu'il livre son chargement. On retrouve tous nos amis. Le Moffrate a dit qu'ils étaient nécessaires pour l'opération. Moffrate, à ce nom de rappeur US, quoi. Mais il a refusé de nous donner la cible. Oui, tout comme l'amiral. Je sais pourquoi maintenant. Parce qu'on est trop cool pour eux. Ils vont détruire Vardos, qui est son monde natal. Donc elle ne va pas laisser faire ça. Elle va passer ainsi du côté de la rébellion. Les satellites sont alignés, chef. Bien, excellent. Ok, je ne vous paye pas pour faire des puissances 4. Je ne vous ai pas appelé, commandant Versio. Est-ce que Vardos est notre cible? Oui, effectivement. Pourquoi? La planète et tous ses habitants, ils sont loyaux envers l'Empire. Ce sont les ordres de l'Empereur. Nous devons purger cette planète ainsi que plusieurs autres afin de répandre la peur et de rappeler à la galaxie tout entière. Ah, c'est malin. Si on tue tout le monde, il n'y aura plus personne pour se rébeller. Notre foyer, tu m'entends? Et nous nous en tiendrons aux ordres de l'Empereur. Je refuse d'obéir aux ordres d'un homme mort. Peut-être, mais en attendant, c'est à moi que tu obéis. Oh, elle fait trop sa rebelle. Sa rebelle. Oh, activez les satellites immédiatement. Nose. Voilà, forcément, quand on s'en prend de détruire ta maison, t'as un peu plus le seum. Ils font une Layla. Ouais, qu'est-ce qu'ils s'emmerdent avec une étoile noire s'ils ont des satellites tueurs? Mettez-vous en route pour Vardos immédiatement et récupérez la tutélaire Kleb. C'est votre seul et unique objectif pour l'instant. Ce sera tout. Comment il est méchant! C'est un super bureaucrate, il a un stylo dans chaque poche. Voilà. Le seum est grand en toi. Fais chier, me dire tout ce que je dois faire là. Contactez l'agent Ask sur le Corvus. Et dites-lui que je dois lui parler au plus vite. Que quelqu'un chie dans le ventilo. Comme sur l'étoile noire, monsieur ou... Oh ! Personne ne parle de l'étoile noire. Mégalopole. C'est pas comme s'ils détruisaient des planètes avec trois pecnos, hein. Non, c'est des centaines de milliers de gens. Ils sont tellement méchants, l'Empire. Une méchanceté sans commune mesure dans la galaxie. Du coup, elle va mettre son masque pour cacher son seum. Ah, on se croirait un peu dans Wolfenstein. Bien sûr, je suis né ici. Cette tempête n'est pas naturelle. Je n'ai jamais rien vu de tel. La population doit être terrifiée. Ah bah non, oui, des trucs comme ça dans le ciel, c'est pas très naturel. Hein. Quand les gens sauront ce que nous avons fait ici, la terreur se répandra dans toute la galaxie. On est l'Empire, on est tellement méchants qu'on tue nos alliés. Les pertes civiles sont acceptables. Piu 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 piu. Oh, trop bien la petite affiche. C'est pas normal. J'appartiens à l'Empire, tout comme vous. Vous
Oh, voilà, moi je suis plus empire que vous. Hein. Le seum commence à s'installer. Est-ce qu'il va le tuer? Eh non. Alors j'espère que c'est là que je dois aller. Ah, c'est une bonne idée de mettre un marcheur avec, à côté d'escalier. Hein. Alors c'est un soldat pour un habitant. Waouh, génial. Pourquoi ils se font chier à mettre des satellites tueurs s'il y a déjà plein de soldats pour tuer tout le monde? Là on nous montre que nous ne sommes pas forcément du bon côté, contrairement à ce qu'on a pensé tout du long de ce jeu. Voilà, on se disait, bah l'Empire, c'est pas des mauvais bougres. Et finalement, on se croirait un peu dans la vie d'Alf. Cet autre jeu que nous avions découvert ensemble et que vous pouvez retrouver sur Sum41, la chaîne YouTube. Là, est-ce que je vais prendre un papat là? Vous voyez, avec la bonne tenue, on... Oh là là, c'est tellement communiste. Cette statue en sucre d'orge. Nous sommes vraiment ici pour une seule personne. Des civils sont en danger de mort. Nous avons également mis nos soldats en danger. Ils évacueront quand on leur en donnera l'ordre. Leur courage face à la tempête montre de la discipline. Mais Gleb, elle, a droit à une évacuation anticipée. Gleb supervise l'école de formation des futurs chefs impériaux. Oh, wow, quelqu'un a lâché sa galette là. Comme une haine. Ou moi. Et maintenant, elle nous demande un service. Les habitants de Paris. Nous allons tous faire défection et entrer dans la rébellion. Pourquoi devrions-nous les laisser souffrir? Tout ça, c'est pour le bien commun, comme on dit. Rien de tout ça ne me plaît. Partout, c'était notre foyer, Aski. C'est l'Empire, notre foyer. L'opération Cendre est un test pour. Elle me dépasse, j'arrive pas. De faire partie de ce qu'il va devenir. Vous parlez comme mon père. C'est peut-être. Ah, il a une touche. Les ordres de l'amiral. Contrairement à vous. Pop, pop, pop. Allez-y, commandant. Enfin, pas trop tôt. J'ai une version. C'est toi que l'amiral envoie. Il savait que j'étais importante, mais là, c'est la vie de sa fille. Cible récupérée. Oh, il va, Gleb. C'est la fille de l'amiral. Adorable. Wow, 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 reculez. Reviens avec moi. Les autres ont qu'à rester là, ils sont pas importants. Allez! Allez, les technocrates! Commandant! Il y a un vaisseau sur la plateforme 2. Vous y serez en sécurité, allez-y vite, courez! Wow, 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 wow. Qu'est-ce que vous faites? Stop! Oh là, ce coup de flingue dans la tête! Ça suffit! Là, je vais devoir faire un choix narratif. Bien, on vous emmène moi d'ici. Non! Non! Vous ne pouvez pas! Je suis votre commandant, je vous ordonne d'arrêter! Je vous demande de vous arrêter! Très clair. On nous a demandé de récupérer la tutélaire Gleb et elle seule. Ah voilà, ça commence à discutailler comme chez les rebelles. Voilà, au fond, enfin, l'arbre de la vérité. L'Empire qu'on a connu. Belle, je t'en prie, ne fais pas ça. Le rôle de l'Empire est de protéger les civils d'offensives telles que l'opération Cendre. Mais c'est nous les gentils, non? Alors je refuse d'en faire partie. Ouais, avant l'Empire c'était cool, on détruisait juste des planètes et massacrait des gens, mais là c'est pas acceptable. Est-ce que ce sont vos ordres? Parce que si c'est le cas, c'est une trahison. On va devoir tuer notre ami. Est-ce que ce sont vos ordres? Monsieur Ask. Tu Ask beaucoup trop, mec. Oui. Attention, je me prépare à le tuer. J'ai aussi les miens. Est-ce ton arme? Ton indiscipline causera ta perte. Oh, c'est tellement dramatique. Bon alors, qui me sauve, moi, du coup? Le commandant Versio et l'agent Miko ont abandonné la mission. Ils ont trahi l'Empire. Je suis désolé. Je vois. Ramenez-moi Gleb. Ceci est votre mission. Voilà, il parle dans sa radio imaginaire. Ah, donc il y a le conflit avec le père. Donc là, Eden nous fait une petite crise d'ado. Il y a un passage souterrain de l'autre côté de la place. C'est notre porte de sortie. Je suis avec vous, commandant. Ne tirez pas. S'il nous repère, on est fichu. C'est trop dangereux. On doit se mettre à couvert.
Il ne voit pas. Ah bah ça, il ne voit pas, hein, je le confirme. La tempête se rapproche. Il faut qu'on quitte cette planète. Hop là, putain, cette phase d'infiltration. Ouf, on a eu de la chance. Waouh, que s'est-il passé? J'ai quitté le jeu. C'est bon, tout va bien. J'ai encore mon super droïde. Il faut atteindre le Corvus et quitter l'espace impérial. C'est notre seule chance. Vous avez entendu votre père. Ils abattront le vaisseau en plein vol. Alors détruisons les canaux anti-aériens. Ouais, bon, on va encore tout casser, comme on sait si bien le faire. Qu'est-ce que c'est que ces marches, là? C'est un Pédilove? Sur le Corvus, il y a des civils qui comptent sur nous. On n'a plus accès aux fréquences impériales. Le Corvus ne saura même pas qu'on arrive. On trouvera un moyen. Allez, fais ton taf, droïde. Pirate-le. Oh là, il y avait papate. Ok, super. Hop là. C'est des couloirs à la Stargate. Putain, j'ai plus mon... Ça devrait au moins nous permettre d'atteindre les défenses AA. Allez, suivez-moi en silence. Elle est pas très solide, vos casques, les mecs, hein. Je ne voulais pas que ça leur arrive. Nous avons été condamnés à mort. Si on ne se défend pas, on mourra. C'est eux ou nous? Oui, commandant. On peut neutraliser les systèmes anti-aériens droit devant. Je vous suis. Ok, très bien. Il y a plein de gens qui arrivent. Droïde, j'ai besoin d'un piratage. Ouais, avant-garde, garde du corps, explosion des toxines, expérience survie. Ok, très intéressant. Grenade aveuglante. Mais qui veut utiliser des grenades aveuglantes? Personne. Le délai de régénération est réduit. Là, c'est très bien ça. Ensuite, on va prendre ça. Et puis, c'est quoi ça? Version améliorée d'avant-garde. Ah bah c'est bien ça. Du coup, faut que je trouve une autre... Oh, un petit détonateur thermique. On n'est jamais contre un petit coup de détonateur thermique. Ah bah oui, je vois ça, on est repéré. Grille-moi ça. Allez hop. Ouais, il est pas mort lui. Ah bah moi si. La surprise m'a vaincu. C'est bien pour recommencer, c'est... Pirate ça, tu veux... On peut neutraliser les systèmes anti-aériens droit devant. Je vous suis. C'est retour. Alors on va dans le menu, on appuie sur retour. Pirate-le. Alors, on s'en fout parce que j'ai déjà déverrouillé ces trucs en fait. Envoleur du jeu. Et voilà. Des vaisseaux qui s'enfuient. On n'est pas les seuls à vouloir se mettre en lieu sûr. Hop. Ouais. Par ici. Qu'il est beau. Faites pas de bruit, nous passerons inaperçus. Et ce jeu fait un peu passer l'Empire pour des communistes. C'est une façon de réhabiliter le nazisme qui a trop longtemps Attendez été utilisé signal. Comme. Allez, hop, va le tuer, parce que là, je n'en peux plus. Piratage en cours. Il y a beaucoup de soldats là-haut. Des marcheurs déploient des soldats dans le secteur. Restez à couvert. J'ai trouvé le fusil barrage. Je vais pouvoir stopper l'eau avec ça. Encore des cartes, mais je n'en ai rien à faire.
Là là là. Électrocution. C'est bien ce truc. Hein. Hop hop. Bim. Cassage de tête. Allez, assomme-moi ça. Il est où? Qui me tire dessus? Allez hop, fusil à pompe. Ah non, j'ai changé d'arme au lieu je n'arrive même plus à parler. C'est terrible. Allez, on va y arriver. Courage, Eden. C'est absolument pas ce que je voulais faire. Je me trompe de touche à chaque fois en fait. À toi de jouer. Yo, 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 yo. Qui fait des prédictions. Je vois. Hein, il est où? Ah bah non, c'est mon pote ça. Bonjour. Neutralisation, tout de suite. Ah, ils sont trop choux les deux. Je vois pas d'officier moi. Alors ça c'est ouvert. Je sais même pas où je dois aller. Voilà le marcheur. Les canons sont assez puissants pour traverser les turbos laser anti-aériens. Exactement. Et en détruisant les antennes de fusée, nous désactivons toutes les défenses à AB. Et voilà. Oh, c'est trop bien, je vais être dans un marcheur. Un marcheur blanc. Hey, les fréquences impériales sont rétablies. Marcheur blanc cisgenre. Connectez-moi encore. Oh, mais il y a des gens sur le chat, mon dieu. Alors, bienvenue à Stream Dogs et Illuvium qui nous rejoignent pour cette phase incroyable. On tire sur des gens avec un gros vaisseau. Avec un fucking marcheur. Oh, c'est tellement lent. Hop, moi je détruis tout. Suce au RTT. Je vois les canons anti-aériens. Je m'en occupe. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes actif sur le chat. J'ai du mal à croire que l'amiral soit prêt à aller aussi. Vous êtes très en retard les amis. Je ne fais que suivre ses ordres. Ses ordres ne sont pas justes. Les nôtres ne l'étaient pas non plus. Nous devons emmener les civils loin de Vardos. Et ensuite? Il faut d'abord qu'on sorte de l'espace impérial. Ensuite, on élaborera un plan. Piou, piou, piou. Alors ça va, 5 minutes pour répondre. C'est un peu le délai classique de Twitch. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont dit, nos amis? Alors, je tire sans regarder où je tire. Parce que c'est aussi ça, Star Wars Battlefront. Qui c'est qui me tire dessus? Oh, c'est tellement chiant. Un border layout directement dans une J-frame. Je peux ou vaut mieux faire des J-panel? Bah je te conseille d'utiliser un J-panel, très clairement.
comme dans Star Wars épisode 3, la revanche des J-Panel. Oh, c'est chiant. Hop là, allez, hop, on détruit le deuxième. Alors si, je vous ai prévenu sur le Discord, chers viewers, mais vous n'êtes pas... Non mais n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Oh, c'est tellement nul avec ce vaisseau qui fait du surplace là. J'étais censé être épique là. Hop, je zoome parce que c'est dur de viser. Ah voilà, on va leur, leur péter l'accès au câble. Si, cher StreamDogs, je vous ai dit, ça va streamer. Et là, vous arrivez à la toute fin du stream. Voilà, c'est tant pis pour vous. Vous regarderez le replay. Le solo n'a pas été toujours aussi chiant. Oh, j'ai l'impression d'avoir une souris avec deux PP. Mais écoute, StreamDogs, quand je dis ça stream, c'est que ça stream. Une barricade nous empêche d'avancer. Je vais vous envoyer une invitation Google Hangout. Ah, ça c'était un joli tir groupé. Vous avez vu à quel point c'est passionnant là. Oh non, des RTT. Ah, il y a un ami. Alors, lequel va craquer en premier ? Moi ou lui ? Continuez à tirer dessus, on a nulle part où aller. Qu'est-ce qu'on s'éclate ? Ouais, j'ai gagné ! Commandant ! Bravo, commandant ! Oh, commandant, vous avez tué tous ces hommes avec qui on avait déjeuné ce matin. Combat d'infirme. Exactement. Alors le mieux c'est ces vaisseaux qui font du surplace. Allez hop, maintenant je vais détruire ce vaisseau. Marchez plus vite, commandant. Oui, je vais essayer. Au-dessus de nous. Oula. On a pris un éclair. Alors ces super vaisseaux qui ont la fâcheuse tendance de s'écrouler la tête en avant. Allez. Torpus a baissé la rampe, embarquez tout le monde. Oui, commandant, mais c'est éclair pour faire cuire le système. Hop, hop. Il nous faudra du temps. L'équipage se fait attaquer. Donnez vos positions. Donnez les rangs. C'est des gens à moi, ça? Je sais pas qui est avec moi, qui est contre moi. Je pense que c'est les mecs en blanc. C'est encore du racisme anti-blanc parce que tous les autres sont noirs là. Allez hop, électrocute-le. Ah bah non, le marcheur là c'est pas cool. Oh là, comment il a sorti sa petite tête lui. Trop choupi. Et laissez-moi passer monsieur là. Oula, je suis hors zone. Salut les mecs. Ça a l'air bien ça. Ah, j'ai encore appuyé sur le mauvais bouton. Amenez-moi sur le Corvus, je nous sortirai d'ici. Envoie l'électricité. Oh là, je vais me faire défoncer là. Alors, qu'est-ce que j'ai comme truc? F2, c'est pas mal. Et hop, grenade dans les pattes. Boum. Allez. Ah bah voilà, on a réussi à l'avoir. Quel combat. Les mecs qui marchent avec le. DST en approche.
Qu'est-ce que c'est que ce truc là qui vient de me passer devant? Bonjour. Ah, comment il m'a esquivé mon tir? Ah non, mais maintenant il y a ça, alors c'est chiant. Tous à l'intérieur, vite. Allez Alain. Vite, tous dedans, moi d'abord. Ah, comment j'ai embarqué tout mon crew dans cette trahison. Voilà. C'est tellement dramatique avec les mecs qui regardent sans savoir s'ils doivent tirer ou pas. Mais putain, mais ils sont avec nous normalement. Personne n'a pensé à détruire notre vaisseau. Avec les lasers de télécommunication qui envoient des ondes. Oh, des ondes de téléphone pour donner le cancer à toute la planète. Je vous ai ramené cette prostituée de luxe que vous m'avez demandé. Ah, c'est beaucoup de non-dits, hein, les dialogues de Star Wars. Toutes mes félicitations. Vous êtes comme un fils pour moi, Ask. Et c'est ça qui fait plaisir dans le monde de l'entreprise, c'est le merci. Ouais, ça ne coûte rien. Oh, maintenant, qu'allons-nous faire? On n'est pas complètement seul. Une partie de l'équipage est restée avec nous. Elle a protégé les réfugiés contre ceux qui voulaient les tuer. Comment on est devenus des gens cool. Choqué. Perdu. Figurez-vous que je connais Luke Skywalker. T'inquiète pour la suite. Il faut qu'on prévienne quelqu'un. Prévenir qui? Les rebelles? Non. Oh, c'est bon, on en a juste tué quelques-uns en début du jeu. C'est pour ça que vous devriez prendre le Corvus et vous en aller. Laissez-moi un chasseur TIE, j'enverrai un signal de détresse et j'attendrai que les rebelles me trouvent. Eh, putain, cette animation faciale fait très peur. C'est la tête que je fais quand je les entends dire TIE. Nous sommes l'escouade Inferno. Vous et moi. Grosse escouade, hein. Hey, le grand Schtroumpf. Ici Iden Versio, du raideur Impérial Corvus. Hop, elle va leur faire des doigts. Nous nous rendons. De quoi, hein? Contactez le général immédiatement. Ah, c'est donc, tous des gens que j'ai tués là. Mais tu les as quand même fait monter. Tu passes ton temps à me dire de prendre des risques. Ça m'a semblé être la chose la plus irresponsable à faire. Excellent. Génial, on les a débauchés. J'ai vu leur profil LinkedIn. Ah, ça nous rappelle le début du jeu où on a tué tout le monde. Peut-être qu'on va le refaire du coup. Et j'imagine que vous devez être les déserteurs impériaux dont on m'a tant parlé. Général, nous avons déjà dit à vos. Je vous suis sur Facebook depuis très longtemps. Allons faire un tour. Comment il essaye de me pécho. Très bien. Alors, ils ont toujours pas appris. Ils nous ont laissé tout notre équipement en prison. Qu'est-ce que c'est? Une mauvaise idée. Qu'est-ce que c'est? C'est ma... Ah non, pas encore. Je pense que vous êtes des espions impériaux. À votre avis? Je crois que vous avez peur. Non, je suis pas un espion. Qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi? Oh, ce simulateur de balade. That Game Company. Lolala. Écoutez, ça me rappelle le premier niveau du jeu où on a tué tout le monde. Donc c'est peut-être la fin du jeu là. Attendez, vous nous laissez partir? Qu'est-ce qu'ils sont sympas les rebelles. Bien sûr, changez de vie. Trouvez un endroit sûr. Montez un business. Un endroit où vous pouvez nous surveiller. Nous avons d'autres problèmes. Ah, on s'est cru tellement important tout le long de l'aventure et en fait on est rien. On vient d'apprendre que l'opération Cendre va frapper Naboo. Vous devez l'arrêter. L'opération quoi, pardon? Je pense qu'on peut y arriver. C'est faux. L'Empire est en train de changer et ses méthodes aussi. L'Empire est devenu méchant. Pourquoi ne pas venir avec nous? Aidez-nous à sauver Naboo.
Sauver des nabos. Personne ne vous le demande. C'est une chance unique. Vous pouvez partir maintenant. C'est une entreprise jeune et dynamique, une opportunité unique de vous développer professionnellement. Que voulez-vous ? Moi, je continue d'avancer. Je vais vers mon futur. On ne sait même pas comment piloter un X-Wing. Rien de compliqué pour les forces spéciales. C'est quoi les options, Eden ? Bah, il y a les jantes chromées, il y a le GPS en option. Oh, j'ai même pas pu choisir oui ou non. Et hop, en route vers de nouveaux streams. Ta-da-da-da-na-na. Génial. Bon, écoutez, vu que des viewers m'ont rejoint, on va continuer un peu. Parce que là, normalement, on devrait arrêter le stream. Car ça fait déjà deux longues heures que nous écumons l'espace. Oh là là, je vais devoir tuer mes anciens amis. Je suis pleine de... Vous avez vu la violence de ces combats ? Vous pensez vraiment y arriver ? On ne m'appelle pas Leader Danger pour rien. Leader Danger. Danger, c'est mon deuxième prénom. Ça doit être le noyau d'énergie thermique. Alors c'est là qu'il faut concentrer nos tirs. Ah, les fameux noyaux. Hop là, qu'est-ce qu'on s'éclate. Boum boum, oh, c'est surtout eux qui éclatent, j'ai bien l'impression. Hop là. Et les satellites, ça tient à peu de choses, hein. Ta-da, ta-ta-ta-da, la-na-na-na. Oui. Alors Stream Dogs, est-ce que c'est vraiment la fin du jeu ? Parce qu'éventuellement je peux vous faire tout le jeu en une seule fois. Merci de nous le rappeler. Sur votre position, Leader Danger. Ouais, on est avec vous, Stream. Très bien, on va rappeler à l'Empire. Je suis en surchauffe. Et donc, une mission où on s'amuse, hein. Waouh, 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 waouh ! C'est ainsi qu'Iden Versio mourut. Maintenant Stream Dogs, là on est qu'à 2 heures de stream, donc si je dois encore faire le double d'heures là, je... Ce n'est pas possible. Ta-ta-la-la-ta. Où est mon kazoo? Il n'y a malheureusement pas de syndicat des streamers, mais c'est une bonne idée. Little Danger. Très bien. Hop là. On va rappeler à l'Empire à qui il a affaire. Joli tir, commandant. J'en ai rien à foutre de ceux qui me tirent dessus. Oh, les mecs, il est jaloux parce qu'il y a une femme qui pilote mieux que lui. Hop là. Hop, je m'éloigne pour mieux revenir. Oui. Oh là. Oh là, oh là, oh là. Wow. Oh, je casse tout. Looping. Et voilà. Oh, c'était un magnifique finish. Alors où est-ce qu'on va? Oh, il y en a encore là, mais c'est tellement chiant. On a presque terminé. Et après on vous voit plus, c'est ça? D'accord. Quand on aura détruit ces satellites, notre vaisseau amiral pourra abattre le destroyer. Vous savez quoi faire? Le destroyer, il a pas trop l'air de se défendre, hein. Le plus judicieux serait de commencer par détruire les systèmes de défense. Merci. Bah non, moi je tire sur les... Je tire sur ce qu'on me dit de tirer, hein. Et voilà, et de 1. Bah, les mecs me passent devant en plus. Bien su, chef d'escouade. Oh, zut, j'ai pas pu le tuer.
Boum. Je fais tout exploser. Et boum. Vous avez vu ce niveau de skill que j'ai, hein. Les renforts clés. Protégez les Y-Wing. J'en ai rien à foutre des Y-Wing, moi. Haha, trop marrant. Non, je refuse. C'est toujours moi qui dois tout faire. J'ai changé d'entreprise, mais c'est toujours la même merde. Hein. C'est une promenade de santé. Attends, mes skills de visage sont... De visée, hein, bien sûr, pas mon visage. Qui est aussi très beau, hein, mais ce n'est pas le... Ce n'est pas le sujet de ce stream. Ouais, votre vaisseau amiral, il est un peu nul en fait. Oui. Hop là. Alors ils sont où les autres? Où qu'ils sont? Ils se cachent parce qu'ils savent que je suis devenu trop badass. Là, un chasseur cravate. C'est ça, on passe. Oula, ouh, c'était un mauvais plan, un mauvais move. Bon, je suis désolé de vous réinfliger cette séquence de jeu. Ah bah voilà. Là, ils sont trop loin là aussi. Et voilà, sans viser, sans les mains. Les canons ne peuvent pas tirer tout le temps par 4, je ne sais pas pourquoi. Ils vont sûrement filer un modèle d'occasion. Waouh, waouh, waouh. Alors, est-ce que je vais encore me cracher sur ce vaisseau? Alors, où qu'ils sont? Voilà, oui! Ah, en plein. Détruire, détruire! Oula! Mais où ça? Là! Oui. Ah tiens, on a un autre. Moi je combats à 360 degrés. On va s'éloigner un peu du champ de bataille. Attention, vaisseau ennemi en approche. Bim. Oh là là. J'ai encore failli en me projetant dans une tourelle. Je pense que je vais arrêter de faire ça, tout simplement. Je pense que la troisième fois, ce sera encore plus fun à regarder. C'est pas vous le chef, hein. Je tire là-dessus en attendant. Ça existe, il y a des formations d'escorte, genre des écoles pour devenir escort girl.
C'est vrai que ce jeu est très féministe. Bon, je dois pas le tuer, mais je le tue quand même. Torpille à proton pour toi. Une fois les boucliers hors ligne, le Restoration finira le travail. Notre vaisseau amiral. Il ne peut pas résister. Notre vaisseau amiral, il est nul. Ah d'accord. La. Qu'est-ce que je dois faire là? Je tire dans celui-là? Ça c'est les boucliers, je le sais parce que j'ai regardé les films. Oh, je ne sais pas ce que je dois détruire, comment je dois le détruire. Attention, vaisseau ennemi en approche. Ça je peux détruire. Alors je sais pas qui a les pires noms entre Y-Wing et TIE. Et voilà mec. Contre chasseur TIE, aidez-moi à les abattre. Oh, je ne me fais pas avoir par la tourelle. Ils sont beaucoup trop loin. En dessous que je dois aller. Chasseur TIE en approche. Détruisons-les. Où sont-ils? Mal quelque chose pour ne pas que la mission se résolve, parce que depuis le temps franchement ouais. Oh, super, il le détruit devant mon nez. Alors, combien d'heures ça va durer? Ah bah c'est ça, faut taper ça. Les fameuses alarmes de l'espace. C'est Chewbacca qui crie. C'est peut-être des torpilles au proton qu'il faut mettre en fait. Moi je tire. Apparemment ça ne sert à rien ce que je fais. Attends, je ne cesse d'aligner ces vaisseaux. Chers viewers, j'espère que vous passez un aussi bon moment que moi, parce que là c'est la grosse éclate. Voilà. Bouclier HS. Au travail. HS réflexe. Restauration, vous pouvez attaquer. Ah, maintenant c'est la cantine qui attaque. Restauration, c'est à vous. Le vaisseau, le destroyer qui n'a pas tiré un seul laser de tout le combat. Ces vaisseaux se dirigent droit sur Tide. Ils vont s'en prendre sur Tide. Sur Tide avec leur TIE. Trop bien, il y a des Naboo Fighters. Palais Royal Tide.
C'est normal tout ça? Parce que ça me paraît pas normal, moi. Voilà, Leila a le seum. Bonjour, on est les nouveaux. Leader Danger. On ne sera que quatre. Quelqu'un sait y faire avec les machines? Oui, moi. Suivez-moi. Oh, ces dialogues de folie. Ce système nous permettrait d'arrêter l'Empire. Mais la tempête a endommagé les relais d'alimentation de la ville. Mais la tempête... Un peu bourgeois cette Leila. Bon, c'est une princesse en même temps. On va se séparer, puis réparer les relais. Quand on aura fini, on se retrouvera au palais. Alors Eden Verso qui écoute, qui se dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Compris. Alors, qui va gagner? Les gentils ou les méchants? Vous le saurez dans le prochain épisode de Sum 41, car pour le moment, c'est l'heure pour moi de rendre l'antenne. Merci à ceux qui sont venus un peu tard, mais vaut mieux tard que jamais, comme on dit toujours. N'oubliez pas que celui qui conduit des vaisseaux, c'est celui qui n'a pas le seum. Et surtout, on se retrouve la semaine prochaine, et sur la chaîne YouTube Sum 41, et surtout, niquez-vous.